Comment réduire l'hyperpigmentation avec 5 remèdes maison? L'hyperpigmentation est un problème qui se produit sur la peau, provoquant des taches d'une couleur plus foncée sur différentes parties du corps. Cette affection est souvent commune sur le visage, le dos, les jambes, et même, mais plus difficilement, sur l'abdomen et les bras. L'hyperpigmentation de la peau ne présente aucun danger. Cependant, de nombreuses personnes souhaitent atténuer ou faire disparaître ces taches brunes pour des raisons esthétiques. Les taches provoquées par l'hyperpigmentation sont particulièrement visibles puisque le reste de la peau garde une couleur normale. Ces taches sont bénignes et indolores, mais souvent considérées comme inesthétiques. La pigmentation de la peau permet notamment de protéger la peau de l'agression du soleil et de ses rayons ultraviolets, UV. Toutefois, lorsque la mélanine, qui constitue le bronzage, s'accumule de façon trop importante, cela provoque des taches sur la peau et une hyperpigmentation. Il s'agit d'une anomalie qui a des implications esthétiques mais qui peut se traiter avec des produits spécifiques mais aussi naturels. Par conséquent, aujourd'hui dans cet article, nous vous proposons 5 remèdes naturels les plus populaires pour réduire et éliminer l'hyperpigmentation. Pourquoi l'hyperpigmentation se produit-elle? La peau dépasse la fonction esthétique, c'est la couche qui recouvre tout notre corps. L'une des plus grandes affections de la peau est celle qui résulte de l'exposition au soleil. Lorsque la peau reçoit un excès de mélanine, de petites taches sombres peuvent se former. C'est ce qui produit parfois le phénomène connu sous le nom d'hyperpigmentation. De multiples causes peuvent être à l'origine de l'apparition de taches brunes, une exposition excessive au soleil, l'âge, des modifications hormonales, des prédispositions génétiques ou encore des traumatismes cutanés. Selon le facteur qui est à l'origine des taches, l'hyperpigmentation peut apparaître sous différentes formes. Le mélasma. Ce trouble est lié à des modifications hormonales et aggravé par l'exposition au soleil. Le mélasma se traduit par l'apparition de nappes brunes réparties de manière symétrique sur le front, le nez et les joues. Les hyperpigmentations. Ces affections se produisent suite à un traumatisme, coupure, brûlure, une infection, une réaction cutanée à un médicament ou encore des troubles cutanés comme l'eczéma ou l'acné. Dans ces cas, la peau peut parfois rester plus foncée sur les zones affectées. Les lentigos. Il s'agit de petites taches brunes rondes ou ovales. Les lentigos peuvent être liés à l'âge ou à une exposition solaire excessive. Ils témoignent d'une incapacité de l'épiderme à gérer les effets néfastes des UV. Les personnes à la peau claire, plus vulnérables au soleil, sont les plus concernées par les lentigos. Les taches de rousseur. Elles se produisent généralement chez les personnes aux cheveux blonds ou roux, aux yeux et à la peau claire. Les taches de rousseur ou éphélides sont de petites taches brunes qui foncent et se multiplient lorsqu'elles sont exposées au soleil. L'hyperpigmentation est-il un problème grave? Bien que ces taches de la peau provoquées par l'hyperpigmentation soient inesthétiques,
Il ne s'agit pas d'une maladie grave. Néanmoins, il faut savoir que si ces taches grandissent et s'étendent, elles peuvent provoquer parfois des dommages cutanés permanents. Les personnes qui ont ces taches considèrent qu'elles sont surtout inesthétiques. Pour cette raison, dans la plupart des cas, elles cherchent un moyen de réduire ces taches sur la peau. Pour cela, il existe aujourd'hui différents traitements qui ont prouvé leur efficacité, crème dépigmentante, peeling, etc. Cependant, certains remèdes naturels peuvent aussi vous aider à réduire et éliminer ces taches sur la peau. Il faut savoir que tous les types de taches brunes s'accentuent en cas d'exposition au soleil sans protection. L'exposition au soleil est la première cause d'hyperpigmentation de la peau. En effet, la production de mélanine est un mécanisme de défense de la peau face aux rayons UV du soleil. C'est ce qui provoque que nous bronzons lorsque nous nous exposons au soleil. Cependant, une exposition excessive au soleil peut perturber cet état de la peau. En limitant le temps que vous passez au soleil et en portant des vêtements protecteurs, vous pourrez prévenir les taches. Vous pouvez aussi utiliser un écran solaire avec un indice de protection élevé pour limiter le risque de développer une hyperpigmentation. Par ailleurs, de cette façon, vous empêcherez aussi l'assombrissement des taches brunes que vous avez déjà développées. Il est recommandé de consulter un dermatologue si de nouvelles taches d'hyperpigmentation apparaissent ou si les taches préexistantes démangent ou changent de couleur ou de forme. 5 remèdes maison pour réduire l'hyperpigmentation. Il existe de nombreux traitements dermatologiques composés de produits chimiques pour réduire l'hyperpigmentation. Cependant, vous pouvez également recourir à de nombreux remèdes maison qui facilitent la réduction des taches de la peau. Aujourd'hui, dans cet article, nous vous proposons 5 remèdes naturels qui vous aideront à réduire les taches cutanées. 1. La pomme de terre. Qui pourrait penser que l'hyperpigmentation pourrait se traiter avec de la pomme de terre? Grâce à ses propriétés absorbantes, cet ingrédient calme le gonflement et la brûlure que les taches ont tendance à provoquer. Surtout si elles ont été produites à cause d'une exposition excessive au soleil. Ingrédients. 1/2 de pomme de terre. Que devez-vous faire? Coupez d'abord la demi-pomme de terre en 4 tranches. Ensuite, frottez la pomme de terre sur les zones les plus touchées et tachées de la peau et laissez reposer pendant 15 minutes. Après le temps indiqué, lavez avec beaucoup d'eau froide. 2, jus de citron et miel. Le mélange de citron et de miel agit comme un remède pour traiter la toux et les cheveux, mais aussi contre l'hyperpigmentation. Grâce à sa combinaison et à la création d'acide citrique, cette recette agit comme un agent de blanchiment naturel. En peu de temps, vous verrez les résultats et comment les taches de votre peau s'atténuent. Ingrédients. Deux cuillères à soupe de miel, 50 g. 2 cuillères à soupe de citron, 30 ml. Que devez-vous faire? Mélangez les deux ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte plus ou moins homogène.
Appliquez cette pâte sur les zones tachées de la peau et massez doucement de manière circulaire. Laissez reposer et agir le remède pendant 20 minutes et rincez avec beaucoup d'eau tiède. Si vous voulez obtenir des résultats beaucoup plus rapidement, répétez ces étapes et ce processus tous les jours. 3, vitamine E et gel d'aloe vera. Comme avec le miel et le citron, l'aloe vera est une plante extrêmement polyvalente que l'on peut utiliser pour traiter presque toutes les maladies ou états de santé. Pour cette raison, c'est un remède que vous pouvez aussi essayer pour diminuer les taches de votre visage. Pour traiter l'hyperpigmentation, vous devrez mélanger l'aloe vera avec de la vitamine E. Grâce aux propriétés de ces ingrédients, vous pourrez hydrater profondément votre peau mais aussi éliminer tous les tissus morts et les taches les plus foncées. Ingrédients. Dix gouttes d'huile de vitamine E. 2 cuillères à soupe de gel d'aloe vera, 30 ml. Que devez-vous faire? Mélangez les ingrédients et appliquez le remède obtenu sur les zones tachées de votre peau. Laissez agir pendant 20 minutes. Une fois le temps écoulé, retirez ce mélange avec beaucoup d'eau froide. Répétez plusieurs fois par semaine et si possible, tous les jours pour obtenir de meilleurs résultats. 4, peau d'orange, lait et miel. Grâce à l'acide citrique contenu dans la peau d'orange, vous pourrez utiliser ce remède pour réduire l'hyperpigmentation. La peau d'orange mélangée avec du lait et du miel, aide à blanchir la peau et à éliminer tous les types de cellules mortes. Par ailleurs, cette préparation rendra votre peau lisse et éclatante. Ingrédients. Un pot d'orange. Un/2 verre de lait, 100 ml. 2 cuillères à soupe de miel, 50 g. Que devez-vous faire? Broyez la peau d'orange dans un bol mélangeur jusqu'à l'obtention d'une poudre. Mélangez cette poudre avec du lait et du miel et répartissez bien sur toutes les zones tachées. Laissez agir pendant une demi-heure. Retirez et rincez abondamment à l'eau froide. Répétez la procédure 3 fois par semaine de manière régulière. 5, avocat. Ce fruit délicieux ne peut pas manquer à vos soins quotidiens de beauté. L'avocat possède une variété d'acides gras, de vitamine C et de vitamine E, qui vous aidera à réduire les taches de votre peau dans un court laps de temps. Ingrédients. Un avocat. 4 cuillères à soupe de miel, 100 g. 2 cuillères à soupe de lait, 30 ml. Que devez-vous faire? Réduisez l'avocat en purée avec une fourchette. Mélangez-le avec du miel et du lait. Appliquez ce mélange sur toute la zone affectée. Retirez ce mélange une fois qu'il a séché. Habituellement, il faut attendre environ 30 minutes. Puis,
Rincez à l'eau tiède. Rappelez-vous toujours qu'avec tous ces remèdes maison, la constance est essentielle afin d'obtenir de bons résultats. L'hyperpigmentation est un problème qui, s'il est traité à temps, n'aura aucune conséquence grave pour la santé. Appliquez ces remèdes fréquemment et vous verrez comment ils vous aideront à faire disparaître rapidement les taches de votre peau. Le mélasma est considéré comme l'un des nombreux effets des rayons du soleil sur la peau. Il est devenu un véritable problème esthétique pour les personnes qui en souffrent. Ce problème touche principalement les femmes et le plus souvent lors de la grossesse, donnant ce que l'on appelle communément le masque de grossesse. Le plus grand problème du mélasma est l'esthétique et l'apparence physique. Cet état de la peau ne provoque cependant pas de symptômes douloureux. Découvrez aujourd'hui dans cet article plus d'informations sur le mélasma et tous les traitements qui existent pour vous aider à réduire ces taches sur la peau.